Bienvenue à Chamonix pour la 42e édition du Marathon du Mont-Blanc. Après une année blanche de compétition, je suis heureux d'épingler à nouveau un dossard, et qui plus est, sur celui du Marathon du Mont-Blanc. Donc je suis avec Michel, 75 ans, le coureur le plus âgé de cette édition. Est-ce que c'est ta première édition du Marathon du Mont-Blanc ? Oui, la première complète, je l'ai essayé. La première, j'ai été arrêté au Tour à barrière horaire en 2017. Donc, qu'est-ce que tu appréhendes justement sur ce parcours ? Mon problème à mon âge, c'est de passer les barrières, c'est juste ça, et donc de finir bien, enfin, si possible. Déjà finir, tout simplement. Oui, finir, oui. Je calcule, suivant le profil, je calcule ma vitesse. Par exemple, au début jusqu'au tour, la première barrière cette année, il faut que je fasse environ 4,5 de vitesse. Donc, tout ma montre est réglée, je règle tout. Et ensuite, je peux aller moins vite. J'ai vu que si je finis je peux finir à environ 4 à l'heure ou 4,1 à l'heure pour être dans les 9h30. Donc ton objectif cette année, c'est de prendre ta revanche sur 2017. Voilà, oui, parce que j'étais un peu vexé. Donc je te retrouve demain au départ du SAS 5, parce que c'est des départs par vague. Oui. À demain. À demain. Et à toi, bonne chance à toi aussi. Merci et bonne course. Oui, merci. Donc pour la première vague, il n'y aura pas de problème, vous allez arriver au sec. Par contre, pour tous les autres, pensez bien à vous protéger. For the first wave of athletes, probably shouldn't be an issue, the rain, but for everybody else thereafter, remember to cover yourselves and put your jackets on. C'est une belle victoire de retrouver la vie normale, de pouvoir être tous ensemble. Et j'aimerais vous voir, les élites et tous les coureurs derrière sur cette première vague, juste faire le signe de la victoire. Juste faire le signe de la victoire. On est de nouveau vivants, on est tous ensemble, et ça c'est donc pour notre plus grand bonheur. 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! S'approche, cinquième vague, approchez-vous les accompagnants. Voilà, SAS 5, on retrouve Michel, qu'on a vu hier soir. Et donc on lui souhaite une bonne course. Et merci. Surtout, j'espère que tu verras l'arche d'arrivée. Oui, j'espère aussi, oui. C'est le but. Bonne course à toi. All right, three minutes to the start. 3 minutes. Wow, c'est bon ça, le public aussi. On s'en rappelle. 5. Oh Olivier, pourquoi t'es là ? Eh ben, une petite visite sur internet. Je suis tombé sur ta vidéo. De 2019 hein. Ah oui, hein. Ouais. Et puis tirage au sort. Et puis voilà. Et bingo. Et puis quelques mois d'entraînement. Et maintenant,
va falloir voir l'arche d'arrivée. Il va falloir aller au bout. Hein. Parce que l'arrivée est juste sublime. Ouais. Alors j'espère que ça sera dégagé. Hein. Même s'il pleut, j'espère que le paysage sera dégagé pour voir cette magnifique vue. On espère qu'on n'ait pas la flotte. Voilà. Super. Allez. Bon courage, merci. Bravo à toi. Hein. À bientôt. J'ai décidé de mettre en avant Lamia qui participe pour la première fois à ce marathon du Mont Blanc. Alors dis-moi, quelles sont tes appréhensions pour l'instant? Les côtes, parce que c'est mon point faible. Et s'il faut garder de l'énergie dans les descentes, mon point fort, il va falloir que j'apprenne à gérer. Ouais. J'apprendrai sur l'action. Parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier que le marathon du Mont Blanc, c'est avant tout un gros dénivelé positif pour un faible dénivelé négatif. Donc un vrai challenge pour moi. Allez Stéphane. Tu vas courir comme ça tout le long? Ah oui, ouais. Bravo. Toujours. Hein. Monsieur Castor, toujours avec moi sur le marathon du Mont Blanc, fidèle à mes aventures à Chamonix. On va aller voir un peu la jante féminine. Amilis. Non, Amils. Amils. Ça va? Oui. Comment? Moi je ne suis pas français, mais ils sont trompés, je suis espagnol. Espagnol. Alors, c'est début de course. C'est plané. Ouais. C'est bien. Tu viens, merci. Voilà, marmotte. J'ai préparé mon marathon grâce à ta vidéo. Ah, c'est gentil. Ouais. J'étais au lit avec le Covid et j'ai dit, faut que je le fasse. Il n'en a pas du toucher, ça a l'air tellement facile. T'as vu un peu. Donc toi t'es parti avec 6. Exact. Et tu nous as déjà rattrapé. Vous êtes parti à la 5 du coup? Oui. D'accord. Donc, il fallait bien que je te voie. C'est le chrono là. Non. Pas du tout. Pas du tout. Ah t'es bien là, franchement. Ah mais je suis content d'avoir rattrapé. On aura pu échanger quelques mots. Et voilà. Allez Lamia. Tous les ans. Une longue, plus longue tous les 6 ans. Oh, j'ai vu ta vidéo en 2019. Les bénévoles, ils sont au top. Vous avez vu l'ambiance? Ah ouais, on peut pas dire, il n'y a pas mieux. Quoi. Et là, la championne. Putain, j'en suis. Alors Clément, donc tu viens du Nord? Bah, moi je viens du Nord, t'as plus précisément route, du Pas-de-Calais. Pas-de-Calais. De hein. Calais. Et là, les montées, on n'a pas l'habitude. Ça pique. Je m'étonne. Mais ça va, j'ai trouvé une mascotte qui va me donner du courage sur le trajet. C'est gentil.
pareil, finition pour moi. Et je serais trop heureux. Et ce soir, on va fêter ça avec une bonne petite bière du Nord. L'objectif va être atteint, t'inquiète. C'est ça. Ça va le faire. Ah bah elle est pas loin la mienne, elle est là. Bonjour. C'est bon pour vous, allez-y, continuez. Contrôle matériel pour la miale, matériel obligatoire. Et voilà. Allez, c'est parti, on attaque la grosse montée. Regardez comme c'est beau. Mais vous gérez, vous êtes bon là. Préconise peut-être quand vous êtes sur la rec. Allez, on va rejoindre la Mia. Qui est dans le dur. Et on continue de monter. Allez, allez. Bravo. Gentil. Un pas après l'autre. Et on y arrive. Tout le monde se bat pour passer ces barrières horaires et cette ligne d'arrivée. Bravo à tous. Bravo la Mia! Belle forme! Elle est dans le dur, mais ça va aller. Bon, allez. Profite du paysage hein, quand même. Hein. On est là pour ça. Hein. Allez, on démarre la descente. Avec prudence. C'est la Mia a retrouvé la pêche. Elle court dans la descente, tout doucement mais sûrement. Donc il y a 2 ans, cette descente, on la faisait en montée. Donc là, super panorama, regardez, belle descente. On entend les tam-tams. C'est-à-dire bientôt la fin de la descente. Motivant ça. Et la pluie s'invite sur le marathon du Mont-Blanc. Ça y est.
les Pascals. Tu feras gaffe, t'as quelque chose sur la tête. Allez, Lamia. Bravo, Lamia. Allez, bravo, Lamia. Hip, hip, hip. Ouah. Hip, hip, hip. Ouah. Allez, 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 allez. Super, super. Merci, hein. J'avais à droite. Allez, un peu d'eau. Non, j'ai rien bu. Allez, mademoiselle. Allez. Départ du ravito. En bonne compagnie. Mamie est toujours sur la course. Débarrassera pas de moi. De faire bonne figure, hein. Ouais. Tu montes plus vite que tout à l'heure. Je me sens moins mal. Lamia a chuté dans la descente là. Et regardez là, on court sur un ruisseau quoi. Toute la descente, c'est hyper glissant. Une piscine sur mon dessin. Allez Lamia, courage. Merci. 4 km de la plaisir. Okay. Ouais, c'est bon. Merci. Ça va Lamia? Ça va. Super. Petite chute mais ça va. Alors, très bien. On s'accorde une petite pause. Une petite pause, c'est le ravito, je suis bien. À l'abri de la pluie. Bah oui, c'est ça. Et puis j'ai une belle vue. Ouais, bon. La vue, je vais pas dire, mais bon. Allez, à tout à l'heure. Deuxième coin de pause. Ils ont mis un banc exprès pour les coureurs. Ils sont gentils quand même. L'organisation est au top. Hein. Chaque fois quand je fais cette course, je m'arrête ici. Ah, on a même des chanteurs sur le marathon du Mont Blanc. Davy, Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais peur. Allez, dernière montée pour rejoindre l'arrivée qui est là-haut. Bravo. Merci.
Ça y est, voilà l'arrivée. Tous les deux qui traversent la ligne ensemble. Félicitations à tous les deux. De cette aventure, retour à Marseille au soleil. Donc les conditions météo étaient très difficiles comparées à 2019 où j'ai souffert de la chaleur. Là c'était totalement différent. Donc tout d'abord je tiens à féliciter l'organisation pour cet événement. Donc une gestion parfaite malgré les conditions sanitaires difficiles à respecter par les organisateurs. Donc bravo. Et en second temps je félicite Lamia pour cette magnifique arrivée. Donc un défi relevé difficilement, mais au final facilement, puisque tu avais 40 minutes de marge sur la barrière horaire. Peux-tu nous dire un mot sur cette aventure? C'était une expérience fabuleuse. Chaque difficulté franchie et dans un cadre merveilleux. Je me suis sentie à chaque fois vivante jusqu'à l'arrivée. Ma seule crainte, c'était de ne pas franchir les barrières horaires. C'était même pas d'abandonner parce que je voulais finir. J'aimerais conclure ce reportage avec une phrase de mon ami Abdé. Lamia et tous les autres coureurs, vous êtes des personnes ordinaires dans des aventures extraordinaires. À bientôt sur les sentiers.